famille, c'est Lina, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui la famille, je vais faire ma chasse aux fournitures scolaires. Alors déjà, je sais pas si vous avez déjà vu celle de ma sœur, et si vous l'avez pas vue, je vous dis de y aller la voir juste après la mienne. Aujourd'hui, je vais faire mes chasses aux fournitures scolaires au bureau valet de Lannister. On y va, c'est parti. Donc là, on est bien arrivé dans le bureau valet. Donc là, on est bien arrivé dans le bureau valet. Bref, vous avez compris, on est bien arrivé dans le bureau valet. Alors, Sana, qu'est-ce que je dois commencer à prendre? Tes crayons pour ta trousse. Ok, on y va. Alors, déjà, le jaune, logique. Non, je prends. En vrai, je vais prendre ce que j'aime pas. Je sais pas si je prends lui. Non. Après. Et il m'en reste juste un. Voilà. J'ai fait ma petite sélection. Alors j'ai pris un jaune, un rose, un bleu. Dans lequel? Un stylo vert, un stylo rouge, un stylo noir, un stylo bleu. Non, je savais pas. Je vais prendre. C'est trop dur à choisir. Ton rouge comme ça, hop. Et alors. Il est trop bien lui. Mini bic. Ok. Il me faut un blanco. Du coup, j'ai pris deux Tipex basiques. Un crayon gris. Je sais pas, j'hésite à prendre lui ou le jaune. Non, lui, il est. Attends, il est abîmé. Un crayon gris basique HB. Ouais, je vais prendre deux petites. Une bleue et une rose. Non, une violette, une bleue. Et c'est de la marque Mapette. Mapelle. Merci. Il te faut un taille crayon. Plein de taille crayon. Arrête, t'es chiant, t'as pas dit ça. Mais ils sont incroyables. Ils sont trop mignons. Tu prends deux. Je prends eux. Mais non, c'était la même toute ta fourniture scolaire. Non, mais lui, il est trop grand. J'en prendrais deux comme ça pour mes crayons de feutre. Et vas-y, moi je prends deux alors. Un pour mes crayons feutre et un pour mes crayons gris. Alors, du coup, je vais prendre ce porte-midi là. C'est un rose comme ça. Et je trouve qu'il est trop bien. Il te faut une règle, une équerre et un rapporteur. Ok. Alors déjà, regardez tout ce qu'il y a en règle, en équerre, en un rapporteur. Alors j'hésite à prendre cette règle-là, mais en fait, moi l'année dernière, j'avais une règle pliable. Mais là, j'en trouve pas des pliables. Enfin si, il y en a une, mais je sais pas. Tu peux m'aider, je dois prendre ce pack-là. C'est vrai que moi je suis hyper grande. Hein. Et voilà, une règle, une équerre et un rapporteur. Ça, là, tu sais très bien ce que c'est un rapporteur. Wow, pas de personnalité. Toi, tu sais très bien c'est quoi un rapporteur, Lina. Tu sais très bien ce que c'est un rapporteur. Un ciseau. Regardez tous les ciseaux qu'il y a. En vrai, je pense que je vais prendre un classique, un noir. Ah, mais oui, je rentre en sixième. Alors, elle, c'est sa première année. Au collège. Et toi, Sana, c'est sa dernière année au collège. Je vais prendre le violet comme ça. Je trouve qu'il est trop beau. Donc, voici mon ciseau. Il est violet comme ça. Je dois prendre un... Comment ça s'appelle? Un compas. Ah oui, je l'avais. J'avais vraiment 20 minutes que Lina est au rayon des compas. Là. Je sais pas quel prendre. Bien évidemment que dans ce rayon là, j'avais pas trouvé. Mais il n'y a pas que ce rayon là. C'est déjà aimant, immense. Mais regardez, venez. Il y a aussi ce rayon là. J'ai trouvé lui, un compas violet. Voilà, collège en plus. On est dans le rayon des crayons de feutre et des crayons de bois. J'ai déjà repéré. Pardon papa. Excuse-moi. Regardez, il y en a 24 et il y a de toutes les couleurs. Genre j'aime trop, je vais pas en tous comme quelqu'un qui l'a pris. Qui s'appelle peut-être Sana. Donc voilà, je vais prendre lui pour les crayons bois. Cette fois pour les crayons feutre, je vais en prendre. Prends des pointes moyennes. Moyenne, ouais. Comme ça. C'est parti. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils nous faudront? J'ai besoin de ton téléphone. Donne-le-moi. Donne mon tel. Il te faut des feuilles canson. Comme par hasard, nous avons les feuilles canson. Gina, elle a un moment de folie en fait. Alors, du coup, en vrai, je vais prendre elle. J'avais elle en plus l'année dernière, je crois. Très bien. En plus, elle te ressemble un peu. Le gars, il te ressemble un peu. Du coup, je vais prendre eux. Comme l'année dernière, en plus, j'en ai pas beaucoup utilisé. Là, je pense que je vais pas en beaucoup utiliser. Donc, dans le cas du. Il faut prendre des colles. Mais regardez, encore une fois, il y a plein de colles. Deux petites colles, je pense. J'en aurais pas assez. Les petits, il faut pas en acheter. Il faut
acheter les gros, les big. Parce que sinon, après, quand on fait de la colle, après, ça se finit vite, ça. Oui, mais Iliès, c'est un peu gros pour les doigts de Lina, non? Non. Ça fait la taille de ma main. Non, de ta tête. Je ne suis pas trop d'accord. C'est bon, mais s'il te plaît, papa. Non, c'est une bonne idée. Mais c'est pour elle, ça coûte que 2 euros. Mais non, mais c'est pour moi. Maintenant, je vais prendre des feuilles Bristol. Il faut que je révise. Bien évidemment, comment s'appelle un mini classeur avec. Je vais prendre le bleu, lui. Et voilà, il va parfaitement bien. Donc. Parfait, il me faut des feuilles comme ça. Alors je vais prendre du coup L, c'est 300 pages de feuilles, simple. Et je vais prendre L aussi, c'est 300 pages de feuilles, copie de. Il me faut une chemise à ras-bord. À ras-bas. E2 là, la bleue et la violette. La violette. Ma sœur m'a conseillé de prendre une grande pochette comme ça pour mettre ma calculatrice, mes équerres, mes règles et tout. Je vais prendre une blanche comme ça, en plus elle est super grande. Transparente. Voilà, transparente. Anglais, deux grands cahiers, 96 pages. Ok, alors pour l'anglais, en vrai l'anglais c'est bleu déjà. Anglais, je pense que je vais prendre un cahier comme ça, 3 en 1 en plus, donc ça veut dire que... Du coup, il y a une pochette et tout, on peut mettre des trucs aussi. Et ça fait en plus une autre pochette. Et je dis juste un truc, c'est corda à tes chaussures. Pas du tout. Mais chaussures, c'est corda à ça là. Bah oui. Ouais. Qui va le prendre? Je vais prendre, le même, mais comme ça. Voilà. Mais il t'en faut deux. Deux? Bah oui. Ah, bah je vais prendre deux bleus alors. Bah oui. Un cahier 96 pages. Ok, un cahier 96 pages déjà, SVT c'est violet. Voilà, l'SVT, je la prends en violet et c'est 3 en 1 toujours. Et c'est ton dernier mot. Et voilà. Dis, on te suit. Je te suis. Français ? Bah oui. Français, je le vois en vert. Mais si tu prends SVT en vert, tu vas pas prendre français en vert ? J'aurais mis Géo en français. Mais j'ai pas pris SVT en vert, j'ai pris SVT en violet. Mais après, il y aura histoire et tu vas mettre quelle couleur l'histoire ? Ah ouais, il sort ses verres. Non. Non, oh. Un intercalaire de 6. Donc voilà, je vais prendre un rainbow comme ça, il y en a 6. Deux cahiers de histoire géo. Donc en CM2, pour moi, l'histoire et la géo, c'est pas du tout la même chose. Mais bref. Vert comme ça. 3 en 1, toujours. Je vais prendre lui et la deuxième. Voilà. Pour moi, les maths, c'est rouge. Du coup, je vais prendre deux cahiers rouges comme ça pour les maths. Petit cahier pour les maths aussi, en rouge. Un petit comme une sorte de cahier de brouillon, mais c'est un cahier de résumé. Du coup, voilà, j'ai pris lui pour les maths. Je vais prendre un classeur pour l'histoire géo. C'est pas du tout pour l'histoire, c'est pour la musique. Ah, pour la musique, pardon. On fait de la musique, c'est vrai. Ah, mais comment c'est M2 en fait? Dans le cas du... Attends, mais ça marche, j'ai une question. La musique, c'est qu'une seule période ou c'est toute l'année? Bah c'est toute l'année, t'as cru c'était quoi? Mais en CM2, c'était qu'une seule période. Mais t'inquiète pas, t'es plus en CM2. Du coup, pour les agendas, il y avait vraiment énormément de choix. J'ai quand même décidé, et mon agenda de cette année 2024-2025 sera... Celui-là. Regardez ce truc, il est incroyable. En vrai, voilà. Donc voilà, mais en fait, j'aime trop les extérieurs et tout, mais l'intérieur, ça va, mais j'aime pas trop les écritures comme ça, là. Il y avait vraiment des trucs comme ça, des positifs, il y avait de tout. Regardez, il y a pour les gars, il y a pour les gens un petit peu atypiques. Elle a vu. Pire, mes trousses, donc une pour les stylos et tout, et une autre pour les feutres et les crayons bois. Oh, regardez toutes les trousses, mais c'est énorme. Pour la trousse des crayons de normal, j'hésite grave entre cette trousse ISPAC, elle est trop belle. En plus, regardez, attends, regardez à l'intérieur. Ça va, Yves ? Oui, ça va. 2, 3, 4, je peux mettre 4 stylos et là je peux mettre plein de crayons. J'hésite grave, ça n'aide moi. En vrai, de vrai, moi je t'ai dit, franchement, les deux elles sont trop belles, mais moi en fait, je suis plus genre une meuf où j'aime plein de rose. L. Bleu aussi. Moi je t'ai dit la rose. Je prends L et pour l'année d'après, je prendrai L. Comme tu veux. À tout moment, elle n'existe plus. Tu es sûre de ton choix? Non. Mais bon, je vais quand même prendre elle. Oh my god, j'ai cru que c'était un vrai monsieur. Elle. Parce que Iliès m'a dit de prendre elle. Non, mais c'est bien elle. Je vais dire elle. Prends elle. Oui, voilà, je prends elle. Non, prends la bleue. Dépêche maintenant. D'accord, c'est bon, je prends pas elle. Bon, allez, c'est bon. Maintenant, ton sac. Alors, pour le sac, ça va pas être compliqué. Je prends un ISPAC noir comme ça. Comment? Parce que l'année dernière, j'avais pris lui.
Voilà. La famille, c'était la fin de cette chasse aux fournitures scolaires. Mais avant tout, vous avez que 5 secondes, je dis bien 5 secondes, pour liker, vous abonner et activer la cloche de notification. T'es prêt, Sana? 5, 4, 3, 2, 1, 0 et boum, j'espère que t'as gagné. Abonnez-vous et mettez des likes. Mettons des likes. Sinon, vous n'aurez pas de cookies.